Deux hommes périssent dans le crash d'un avion de tourisme dans l'Inde. Deux hommes âgés de 86 et 72 ans ont trouvé la mort dans le crash d'un avion qui s'est produit lors de son atterrissage sur l'altiport de Corly dans l'Inde, écrit l'AFP en se référant à des gendarmes. Un avion de tourisme s'est écrasé à l'atterrissage mardi après-midi sur l'altiport de Corly dans l'Inde, tuant ses deux occupants, a appris l'AFP auprès des gendarmes. Les deux victimes sont deux hommes âgés de 86 et 72 ans et originaires de Mâcon, Saône-et-Loire. L'appareil, un Robin DR400, avait décollé de Mâcon et faisait une halte à Corly lorsque l'accident s'est produit dans des circonstances encore indéterminées. L'enquête a été confiée à la brigade de gendarmerie des transports aériens, BGTA, de Lyon-Saint-Exupéry.